Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous présentez s'il vous plaît. Bon, monsieur, je m'appelle Jean-Pierre. Et je suis résident depuis décembre 2012. Et j'ai connu le club de pétanque CPM par Léo Cellier. Vous seul ou avec votre famille? Je suis là avec ma femme. Chauffez bien les poignets, tournez bien les poignets, hein, s'il vous plaît, là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce sport, depuis quand vous le pratiquez? Alors le sport, je la pratique depuis décembre 2012. Hein, c'est mon ami Alain Degand qui m'a fait connaître ce club de pétanque. Il vient jouer avec nous. Où est-ce qu'il se trouve? Alors, il se trouve au parc Mohamed V. On va jouer tous les mardis et jeudi. On se retrouve une dizaine, une douzaine de joueurs. Léo Cédric. Toujours le président est là. Et les entraîneurs, il y a combien de... Il n'y a pas d'entraîneur, on s'amuse. Ça s'apprend facilement ce jeu, ce sport. Ça prend facilement? Ça prend très facilement. Il suffit d'un peu de concentration. Hein, et puis ça va tout seul. Hein. Et ça peut durer combien de temps partie? Une partie peut durer. Une demi-heure, combien peut durer 2 heures. Tout dépend des points qui sont très disputés. Et c'est pas un sport un peu dangereux, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On peut pas blesser quelqu'un avec ce. Il faut faire attention s'il y a des gamins qui viennent. Jouer dans l'air de jeu, évidemment là c'est dangereux pour eux. Autrement non, c'est pas absolument pas dangereux. Je ne connais pas d'accident. À moins que vous soyez comme ça librement. Logiquement, il y a des terrains. Mais comme ici, là, il y a des terrains. Mais là, il y a. La limite, si vous voulez, je crois que ça va être 10 mètres ou 11 mètres, je crois. Entre 6 et 11 mètres. Oui, d'accord. Le sport à côté, comment vous avez trouvé la ville d'El Jadida? Comment vous avez choisi la ville d'El Jadida? J'ai choisi la ville d'El Jadida par connaissance d'une famille de Madame Degand, la femme du trésorier du club, qui m'a fait connaître El Jadida. C'est une ville tranquille. C'est une ville qui nous plaît parce que d'abord le climat nous convient très bien, surtout à ma femme. Et ce n'est pas... Il ne fait ni chaud, ni froid. On profite de toutes les saisons. Il y a la mer. La sécurité. Oui, beaucoup. Beaucoup de sécurité. J'ai remarqué, c'est une chose que j'ai très remarquée. Que dire d'autre? Bon, il y a tout ce qu'il faut pour se servir. Voilà quoi. Bon, merci infiniment. Je vous en prie. Alors, je vous souhaite. Hache Hosseini. Le pétanque Mazagan, de se présenter au terrain marqué de l'OCP à l'intérieur. Le gouverneur va vous recevoir. Monsieur Yoli, rejoignez s'il vous plaît les membres du CPM, rejoignez le terrain là-bas. Vous voyez dans le journal. Attention, monsieur. Monsieur Harry, s'il vous plaît. Monsieur Harry, on vous demande de passer. Je suis là. D'accord, monsieur Cellier.
Et vous vous présentez, hein, c'est monsieur, d'accord. Alors vous présentez s'il vous plaît. Vous vous présentez. Bonjour, je m'appelle Joris, je suis français. Je vis vous résidez ici, à El Jadida. Voilà, je suis résident à El Jadida. Oui. Et voilà, je suis partie du club de Mazagan depuis quelques mois. Et voilà, donc mon premier concours au Maroc. Et je suis fier de faire un concours au Maroc. D'habitude, je jouais en France et maintenant, c'est au Maroc. Parlez un peu rapidement de ce sport. Il est un peu méconnu par les Marocains ici. Ah, ben c'est un sport, c'est un Il ressemble un petit peu au golf. Ça fait très longtemps que ça existe. Et c'est un sport qui était au départ fait pour s'amuser et qui est venu maintenant un sport de compétition avec bien sûr avec des grands noms de Français comme Foyo, Kanté. Et au Maroc, je ne sais pas les noms des Marocains, mais bon, je pense qu'il y a des bons joueurs aussi au Maroc. Une partie de jeu, ça peut durer combien de temps à peu près? Voilà, dans les parties un peu compliquées, on va dire, ça peut durer jusqu'à 2h, 2h30 de partie. Hein. Après une partie, voilà, ça peut, si l'adversaire n'est pas si fort, ça peut durer qu'une heure, 1h30. Bien trop bon, ça peut durer 2h, 2h30. Et je vois que les joueurs jouent ici un peu librement. Le terrain n'a pas de limite. Est-ce qu'on peut jouer comme ça sans voilà, limite? Donc normalement, en France, tous les terrains sont avec des cadres, comme cela. Oui. Mais au Maroc, au départ, ils ne font pas les terrains cadrés, donc. Il joue à partir des quarts de finale, je crois. Voilà. Merci bien. Alors, Monsieur Kardawi chez nous, son fils qui va jouer aujourd'hui. Il est mineur. Pointeur. Pointeur. Monsieur G. Monsieur le père. Un très très bon joueur que j'ai recommandé à la fédération et ils m'ont jamais répondu. Monsieur, bonjour français, monsieur. Mon ancien élève. Monsieur Bortali. Enchanté. Monsieur Tony, Monsieur Belfargi, Monsieur Libéno. Bonjour. Monsieur Simon. Bonjour. Et Monsieur Degan, notre informaticien, photographe, reporter. Et trésorier éventuellement. Et trésorier éventuellement. Je vous remercie. Mais je vois qu'il y a plus des blocs. Et vous savez, je vais en parler tout à l'heure, là, le match Raja, le match de Tétouan, nous a cassé les pieds. Pourquoi ? Parce qu'il devait jouer hier. Et par mesure de sécurité, et dimanche, avec toutes les fans du Raja Casablanca, on a 100 joueurs, au moins 100 joueurs demain. Mais Makenbes. Je vais vous dire un petit mot. Approchez la. Monsieur le gouverneur, monsieur les membres de son cabinet, monsieur les membres de la Fédération royale marocaine de pétanque, de la Ligue de la Chaouia,
certains présents ici, monsieur le président des clubs participants, messieurs les joueurs, mes amis. Le club de pétanque Mazagan, affilié à la Fédération royale marocaine de pétanque, fête son 10e anniversaire et organise donc son 10e concours officiel, auquel 31 clubs de la Chaouia et des environs se sont présentés avec un effectif de 444 joueurs. Le match, je l'ai dit tout à l'heure, décisif Rajamat de Tétouan nous prive d'une centaine de joueurs au moins, mais ne nous plaignons pas. Au nom du comité directeur du CPL que je préside, je voudrais remercier monsieur le gouverneur d'Al-Jadida, je ne suis pas béni, d'avoir bien voulu venir procéder à l'ouverture officielle de notre concours qui se concrétisera par le traditionnel jet du bouchon. Je remercie également monsieur le gouverneur d'avoir eu la gentillesse de répondre sans hésiter à notre demande d'aide pécuniaire et logistique. Il m'a ainsi évité de faire le mendiant auprès des sponsors que je contactais les années passées et qui deviennent de plus en plus rares et de moins en moins coopératifs. Monsieur le gouverneur et ses adjoints, merci. Avant de passer à l'ouverture du concours, je voudrais rendre hommage à un grand Jdidi, un vrai Jdidi qui vient de nous quitter après une longue maladie. Je cite Drish Shakiri, que je connais depuis 30 ans. 30 ans au moins, et à qui j'avais affaire à lui chaque année pour notre concours fédéral, car il était président, vous me confirmerez ou infirmerez, de l'Association de développement du sport dans les Doukala, association qui a toujours répondu favorablement à nos demandes d'aide pécuniaire et matérielle par le truchement de la province. Nous nous apprécions tous deux mutuellement et je le rencontrais souvent dans un café du boulevard Mohamed VI. Malheureusement, je n'ai pu l'accompagner à sa dernière demeure car j'ai appris sa disparition deux jours plus tard en visionnant le site de notre ami Abou Kassem. Aussi, plaise à Dieu que la terre lui soit légère et qu'il l'admette en son paradis, ce que je ne doute pas. Driss, repose en paix, car tu peux être fier de ce que tu as fait de ton vivant sur cette terre et à Al-Jadida en particulier. Je vous demanderai donc de bien vouloir observer une minute de silence en sa mémoire. Ça ne dérange pas, il y a la minute de silence. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله وإنا إليه Celle-là, elle est pas bonne. Maintenant, pour le terrain. Hein wow. Mais oui, je vais lui donner des chances. Je vais vous donner des chances. Maintenant, je vous demande de jouer. Jean-Luc,
T'as vu, il a bouchonné. Monsieur le gouverneur du Sud. Ben voilà, ça fait plaisir. On reçoit des inscriptions par téléphone, il y a 3 ou 4 téléphones, de 7h jusqu'à 15 dirhams, 15 dirhams, sauf le junior. Les handicapés nous paient. Les handicapés aussi, les handicapés juniors, les femmes. Donc il n'y a pas de tête de liste, c'est... Ah non, je ne pas. Là, bien, je fais. Il y a un peu de c'est des équipes de 2 ou 3. Très bien. On a qu'un toit à compter. Je vous souhaite bonne chance. Merci. C'est vous qui êtes le meilleur joueur. Oui, c'est alors vous. Je vais vous prendre, je vais vous zoomer sur on vous. On est un pénaliste. Là, vous vous présentez alors. Oui, moi, je prends le. Oui, on est dans le jeu. Pilou Pilou, je m'appelle. Ah, oui. Meilleur joueur de ma rue. Comment? Le meilleur joueur de sa rue. De sa rue. Oui. Je suis tout seul, de toute façon. Quelle rue? La rue, je ne sais pas, Abdelatif Kéchi. Oui, oui, c'est très bien. Merci. Je sais pas si ça oui. Alors je suis fier de photographier un champion. Voilà. Mais le meilleur joueur de pétanque de la rue Abdelhakim Kishi. Oui, c'est très bien.